Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en direct de Los Angeles. Oui, je suis à Los Angeles. L'idée c'est aujourd'hui de vous faire vivre une journée avec moi et pour cela, c'est vous qui allez décider. Effectivement, je vais vous donner le choix sur Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, je t'invite à le faire maintenant. Vas-y, je patiente, arrête la vidéo, va sur Insta, voilà, c'est ça. Et maintenant, follow-moi sur Insta. Maintenant que c'est fait, tu vas pouvoir justement suivre un petit peu toute mon actualité. Et pour le premier sondage, je vous ai proposé de choisir soit entre Muscle Beach, la fameuse salle de musculation en plein air que l'on peut voir justement sur GTA, ou Gold Gym, la fameuse salle de muscu où Schwarzy a débuté. Donc voilà, nous avons comme d'habitude loué une petite Mustang. On ne change pas les bonnes habitudes. Bref, c'est vous qui allez décider de ce qu'il va y avoir dans ce vlog. C'est parti. Bon, vous avez voté à 71% pour un training ici à Muscle Beach. C'est parti. Petite séance à Muscle Beach terminée, j'ai pris mon petit, ma petite whey, donc ça c'est super bon. Franchement là j'étais juste derrière et ensuite direction, donc une petite balade, on va sûrement aller jusqu'à Santa Monica. Alors est-ce qu'on va prendre un vélo ou est-ce qu'on va prendre un skate? C'est vous qui allez le décider sur Insta. J'ai pu déjà vous poser la question, est-ce que l'on mange crade, c'est-à-dire un gros cheat meal, ou est-ce que l'on mange diète? Et vous êtes des salopards. Vous souhaitez que ma séance n'ait servi à rien. Bah écoutez, on va s'exécuter. On est un peu dans le pays aussi pour manger de la c'est merde, ça. Donc ça va quoi. Nous avons décidé de faire une petite balade. Et donc je vous ai donné la possibilité soit de choisir entre un skate électrique, soit de choisir entre un vélo. Vous avez été plus nombreux à choisir un vélo. Bah du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai pris un vélo. Un vélo type californien. Après, j'avais envie de faire une petite photo pour Insta justement avec ce vélo. C'est vraiment typique d'ici, donc c'est pas plus mal, on va dire. La demoiselle derrière, elle a pris un vélo à trois roues.
voilà, on a déposé les vélos, direction, on récupère la voiture, la petite Mustang qui nous attend tranquillement. Et ensuite, on va directement Hollywood Boulevard pour manger un bon burger. On va grossir. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, c'est quand je pense au gras, je pense à un truc comme ça, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Bon, mais en tout cas, c'était vraiment plaisant, il fait super beau. Le début de matinée a très mal commencé, c'est vrai qu'il faisait pas super beau, mais comme très souvent à LA, en fait, le temps se lève, et là, pour le coup, il fait très très beau. On relèvera pas cette phrase de bouffe. Est-ce que tu as faim, mon petit ogre adoré? Pardon? Est-ce que tu as faim, petit ogre? Non? Pourtant, il y a deux secondes, tu me dis, ouais, j'ai trop faim. Moi? Non. Bon, on se dirige vers le Shake Shack et on a vu quelque chose que l'on kiffe énormément. On a vu un Humvee. Vous le savez peut-être, on a en ce moment un Hummer H2 qui nous est, on va dire, donné par Prozis. Et du coup, le Humvee qu'on a vu, c'est en fin de compte la version armée du Hummer H1. Non, c'est la version, ouais, c'est ça, c'est la version armée du Hummer H1. Et donc du coup, on est obligé d'y aller faire la petite photo parce que il est vraiment oufissime. Bon voilà, nous sommes au Shake Shack et vous étiez 68% à vouloir que je mange un repas qui va à l'encontre de ma diète. Mais bon, voilà, vous avez décidé. Ça me fait mal au cœur, hein. Vraiment j'y vais à contre-cœur, mais pas du tout en fait. Franchement, je vais me régaler. En gros, vous m'avez donné la justification pour pouvoir me faire plaisir. C'est grâce à cause de vous. Comme ça, voilà, je vais pas culpabiliser. Merci beaucoup. Après avoir mangé à Shake Shack, franchement on avait envie d'un petit dessert, un petit café. Surtout toi. Surtout moi. Et du coup, bah, vu que vous nous avez autorisé à faire un cheat meal, on a aussi été chercher des donuts à Dunkin' Donuts. Et regardez, avec un petit café froid, voilà, ça c'est typiquement américain. Et franchement, c'est un régal. Oui, c'est de votre faute, c'est pas de ma faute, c'est pas que je suis faible, c'est de votre faute, vous avez voulu que je mange un cheat meal, voilà, bah je le fais jusqu'au bout. Après, on va aller direction Hollywood Boulevard pour se balader un petit peu, faire peut-être quelques petits magasins, et surtout, bah j'ai mon petit gage, un gage que vous m'avez on va dire, imposé. Après, je vous l'ai proposé, mais vous auriez pu me sauver en me disant non, Karim, on veut pas. En gros, je vais devoir prendre une photo avec l'étoile de Donald Trump, sachant que je déteste le personnage. L'étoile a déjà été vandalisée deux fois, et du coup, moi, je vais devoir prendre ma photo. Je pense que les Américains qui seront autour ne vont pas forcément apprécier l'idée. Vraiment, je pense que peut-être qu'on va même me cracher dessus. Bon voilà, nous avons terminé notre petit tour à Hollywood Boulevard. Donc toujours un plaisir de venir ici. Donc là, nous sommes dans un mall, il y a Victoria's Secret juste derrière. Là-haut, il y a un resto dans lequel on a mangé la dernière fois qu'on est venu ici. J'ai rempli mon obligation d'aller faire une photo sur l'étoile de Donald Trump. Et très honnêtement, c'était malaisant parce qu'il y avait beaucoup de gens
en fait, qui crachent sur l'étoile, qui ont tendance à mettre, enfin, à faire des fucks en photo, ou même, c'est même écrit fuck sur l'étoile. Ah, et franchement, voilà, le personnage est vraiment détesté, mais en même temps, il a été élu, donc il doit pas être tant détesté que ça. Mais c'est un personnage qui fait polémique, et ici à Hollywood Boulevard, bah, les gens ne l'apprécient pas trop, quoi. On a décidé de faire un tour au Outlet, au meilleur endroit de Los Angeles. Voilà, le meilleur endroit pour elle. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques petits achats. En fait, il y a une marque de jeans que moi j'adore énormément. Elle est là, regardez, ce jean là. Donc ce jean là. En fait, c'est American Eagle, cette marque de jeans. Et franchement, elle est juste oufissime. Et donc du coup, on va aller voir ça et aussi aller voir pour des Converse, et je vais vous laisser le choix entre deux paires de Converse, et wow, vous qui allez décider pour moi quelle Converse je vais acheter. Mais si on prend que des deux moches par exemple, ça pose problème ou... Non, pas des moches, j'espère, je compte sur vous pour choisir la plus belle des deux. Bon voilà, la nuit est tombée. Alors j'ai très peu filmé depuis que je suis arrivé ici, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et c'est un peu la galère quand il y a trop de monde. J'ai acheté donc deux jeans chez American Eagle et j'ai acheté trois paires de Converse. Bébé, regarde ton visage. Arrête, c'est la caméra qui fait ça, c'est pas vrai. T'inquiète, la color correction, je vais essayer d'arranger un petit peu. Non, c'est pas moi ça, c'est faux. Du coup, voilà, on a terminé plus ou moins le tour dans le outlet. J'ai acheté quand même pas mal de choses. Du coup, je vais vous faire montrer un petit peu tout ça en rentrant à l'hôtel. Par contre, avant ça, on va aller ensemble manger où? On va aller manger chez Taco Bell.